Ce programme vous est proposé avec le soutien de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bonjour à tous et bienvenue sur M Provence. Notre émission Aime les défis est consacrée aujourd'hui à l'expérience Innovaction menée aux Mines Saint-Étienne, campus Georges Charpak Provence à Gardanne. Sur notre plateau, François Jaujard, enseignant-chercheur dans cet établissement. Également Lucas Le Chevalier, étudiant en troisième année du cycle ingénieur spécialisé. Et Pierre Vigouroux, aussi en dernière année. Bienvenue à tous les trois. François Jaujard, d'abord, alors les étudiants ingénieurs en dernière année ont conçu un projet pendant 3 jours sur la thématique Provence 2030. Pas évident quand même de penser pendant 3 jours comment envisager l'avenir. Comment est-ce qu'ils ont choisi ces sujets ? Alors effectivement, ils ont été orientés par rapport au territoire et donc aux problèmes spécifiques et aux opportunités de la métropole. Et donc dans ce cadre-là, de ce territoire, finalement, quel est l'apport de l'ingénieur ? Qu'est-ce qu'il peut apporter pour résoudre un certain nombre de problèmes, de difficultés, pour améliorer la qualité de vie, pour penser à la santé, la culture, les transports, l'énergie ? Et ben voilà, c'est sur ces thèmes-là, en fait, selon leurs affinités, qu'ils ont pu choisir d'approfondir tel ou tel sujet. Pour essayer d'être innovant et comme vous le dites aussi, de formaliser un projet pour le futur, c'est et ça. Pour s'inscrire dans la métropole aussi. C'est ça, tout à fait. C'est-à-dire que l'idée qui a présidé à cette action, de cet événement, c'était vraiment d'insister sur le rôle social, sociétal de l'ingénieur. C'est-à-dire que le monde n'est pas co-marketeur, il n'est pas co-financier. Il se trouve que l'ingénieur aujourd'hui peut apporter et contribuer beaucoup dans la société d'aujourd'hui. Il a des idées, il peut changer les choses. Il a en plus sa passion technologique qui fait que c'est une garantie pour, évidemment, penser au collectif. Et donc c'est tout à fait l'esprit, l'ADN de l'action et d'ailleurs de l'ensemble du cycle d'ingénieurs. Et vous l'avez dit, des projets formalisés autour des thématiques gestion des déchets, par exemple, énergie, santé, voilà, ou transport. Et pour structurer leurs idées, eh bien, ces étudiants ont été accompagnés par des coachs professionnels comme Olivier Christol, rencontré par Guillaume Baudouin. On les amène à avoir des idées sur des thématiques bien particulières pour donner un cadre. Finalement, ils ont une espèce de liberté dans un cadre. Et le but, c'est qu'ils puissent porter quelques idées pendant 2 jours, 2 jours et demi, pour pouvoir les présenter devant un jury. Et c'est une espèce de point d'orgue de leur étude, on fait ça en dernière année, pour qu'ils puissent à un moment mettre en pratique tout ce qu'ils ont appris d'un point de vue managérial, d'un point de vue gestion de projet, d'un point de vue développement d'un produit, pour pouvoir le vendre en fait à une cible particulière à des gens. Et les 10 projets retenus ont été présentés en public face à un jury de professionnels. Le projet gagnant 2017, premier prix de cette édition Innovaction, eh bien, c'est le vôtre, Lucas et Pierre. Ça s'appelle Provencyclette. Alors, c'est quoi, par exemple, Lucas ? C'est quoi ce concept ? Alors, déjà, pourquoi on a voulu faire ce projet ? Donc, il faut savoir que dans la métropole Aix-Marseille, Il y a 5 à 6 millions de touristes par an qui viennent. Il y a 14 millions de nuitées à chaque fois qui sont réservées. Et on s'est dit pourquoi pas réconcilier les gens avec la culture et le numérique en offrant un tour culturel en vélo basé sur le même système que les Vélib, avec soit ça pourrait être un magasin ou une borne, on vient retirer un vélo avec un GPS solidaire dessus, des écouteurs à conduction osseuse, parce que sinon, en fait, c'est interdit par la loi, les écouteurs normaux, ils sont interdits par la loi. C'est parce que ça permet du coup de rester connecté à son environnement. Voilà, exactement, en fait, ça permet de rester alerte à tout ce qui se passe autour de nous, juste en étant fixé sur la tempe, et donc du coup, par conduction osseuse, on arrive quand même à entendre ce qui se passe au niveau de la culture. Donc par exemple, sur le GPS qui est solidaire au vélo, on choisirait une zone en fonction d'une époque. Le GPS nous indiquerait comment y aller, et une fois qu'on se trouverait dans la zone, on aurait, en fonction des endroits où on se trouve, des sortes
d'audio track qui viendrait en pop-up et qui viendrait nous révéler une partie d'historique de la région. Donc ça veut dire que par exemple, j'ai décidé de faire un parcours à vélo. Donc voilà, j'ai rentré mon parcours dans mon GPS et en fonction des lieux où je vais me situer, j'aurai une histoire différente qui sera racontée, une histoire connectée à ce lieu en particulier. Exactement. Donc en fonction de la zone et de l'époque. Il y a également un mode libre par exemple, où si vraiment on n'a pas envie d'être guidé, qu'on est en famille tranquille, on mettra un mode libre. Et on déciderait ou pas s'il y a un audio track qui viendrait s'activer à chaque fois qu'on arrive dans une zone. Donc nous, on proposerait sur le projet des mi-journées et des journées plus complètes. Donc les mi-journées seraient plutôt dans les villes comme sur Marseille avec des parcours sur la Corniche ou plutôt sur Aix-en-Provence avec des parcours praticables, encore à définir. Sinon, des parcours à la journée, donc plutôt partir sur 4-5 heures avec des vélos électriques pour aider quand même. Sur le tour de la Sainte-Victoire, avec donc des musiques, des faits marquants de la région et plein de choses comme ça. Et Pierre, comment cette idée a-t-elle germé? Je ne sais pas, peut-être que vous faites du vélo, ça vient peut-être de là. Alors oui, je comptais acheter le vélo de Lucas cet après-midi. Je fais du vélo, je ne suis pas le seul à faire du vélo, on est tous intéressés un petit peu par la région qui est quand même, on peut le dire, magnifique. Du coup, c'est Lucas qui a eu l'idée à l'origine. Parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir. Est-ce que vous auriez peut-être une idée de parcours en tête ou bien, je sais pas, de moments historiques qui pourraient être racontés, un endroit en particulier? Il pourrait y avoir des parcours, par exemple, sur la vie de Cézanne, qui pourrait aller jusqu'à la Sainte-Victoire ou dans Aix ou dans les environs. Ou pour la Sainte-Victoire, vaut mieux un vélo à assistance électrique quand même. C'est toujours plus pratique pour allier l'utile à l'agréable, puisque finalement, on apprend plein de choses. Et c'est un jury composé de 10 professionnels qui a eu la lourde tâche de vous départager. Ça va, ça n'a pas été trop la pression comme ça de présenter son projet en public? Un projet que vous aviez eu très peu de temps à construire. Alors c'est vrai qu'on a eu peu de temps pour le construire. On a quand même réussi à le présenter, quelque chose d'assez complet, j'imagine. Après, oui, il y avait un petit peu de pression. C'est jamais facile de présenter un projet comme ça en 5 minutes devant une assemblée qu'on connaît en partie. Donc, on y est arrivé. Lucas, qu'est-ce que ça fait de se mettre dans la peau d'un chef d'entreprise? C'est la découverte de plein de responsabilités et le fait de commencer à travailler avec des gens qui, en plus, ils sont venus naturellement pour venir m'aider à monter ce projet. Qui, il faut le savoir, est un projet qui est né en 2-3 minutes. Sur un coin de table. Dans un amphi, voilà, non, vraiment, vraiment. Et je pensais pas que ça irait, aussi loin, finalement. Et du coup, c'est une super expérience. Donc. C'est super. Et c'est un rêve et une envie de créer que partage par exemple Bernard Prugnot. Il est membre du jury 2017, également président de la commission recherche et enseignement supérieur au Césaire, le conseil économique, social et environnement régional. Moi j'ai un slogan un petit peu qui est il faut avoir un rêve dans sa vie et puis après il faut vivre ce rêve. Donc il faut devenir entrepreneur. D'abord il faut avoir des idées et après il faut enclencher pour revivre son rêve. Donc voilà. Donc c'est pour ça que les jeunes, ça m'intéresse. Et puis, on a du temps, quand on est à la retraite comme je suis, on a du temps et il faut l'apporter, faire tout ce que l'on peut pour apporter. On crée ce genre d'environnement dynamique pour aider la jeunesse à se révéler. Ils n'ont pas trop besoin de nous, mais on est des révélateurs parfois, voilà. François Jaujard, c'est une expérience qui autonomise beaucoup les étudiants, c'était le but ? Alors effectivement, il y a une dimension, donc outre le sens du travail de l'ingénieur et son apport dans la société, il y a l'idée qu'on regarde un peu les étudiants dans un cadre différent de la salle de l'espace de cours classique. Et je dirais que ça remet en cause beaucoup de choses, y compris l'accompagnement de la part des enseignants, qui ne sont plus des enseignants surplombants, qui savent et qui dispensent quelque chose. Qui ont le savoir et qui dispensent la connaissance. Et ça, c'est clair que les évolutions font qu'on ne peut plus penser l'enseignement de cette façon-là. Et donc, c'est important pour nous de regarder comment les étudiants s'emparent de ces sujets, ce qui marche, ce qui ne marche pas, des séquences qui ont été plus actives que d'autres. Et puis, ça nous permet, nous, de réfléchir à la pédagogie, de voir dans quelles conditions on peut sortir de la salle traditionnelle de cours. C'est un vrai problème, hein, parce que on peut demander à des ingénieurs, à l'ingénieur, d'être innovants.
alors qu'ils ont suivi quand même je dirais, ce sont de bons élèves. Hein. Oui, parce qu'on leur a dispensé, on leur a appris à appliquer une technique, finalement. Voilà, d'une façon assez scolaire, je pense notamment au cursus traditionnel, c'est une vraie gageure. Donc là, il y a des choses qui doivent évoluer, même, je dirais, même en amont du cycle d'ingénieur. Et pour vous aussi, une façon complètement différente pas tout à d'enseigner fait. Une remise en cause complète, oui, tout à fait, pour la structure, absolument. Lucas, quelles sont les suites qui vont être données à ce projet? Est-ce que vous avez pris des contacts? Est-ce que ce projet va évoluer comment? Alors oui, en effet, j'ai commencé à prendre quelques contacts. Donc là, j'ai encore une petite semaine avant de partir en stage pour essayer le plus possible de prendre le maximum de contacts. Donc j'ai commencé à appeler l'organisme qui s'occupe de ce genre de trajet touristique, mais plutôt dans la région du Luberon. Et du coup, il serait d'accord pour commencer un projet. Et donc, c'est un projet qui peut se réaliser. Je suis en train de me rendre compte que c'est vraiment un projet qui peut se réaliser finalement. Parce qu'il y a des gens, il y a du soutien derrière, il y a des gens qui ont déjà pensé à ce genre de trajet, d'aventure, on va dire. Et il y a du potentiel. Et je vais essayer de le saisir au maximum ce que je peux pour lancer le projet. Et Pierre, est-ce que vous en avez parlé justement? Parce qu'après, pour faire vivre ce projet, il va falloir de l'argent, il faut un business plan, un plan d'affaires, comme on dit. Est-ce que vous avez envisagé tout ça déjà? Alors, on a un peu envisagé tout ça. Tous les membres de l'équipe, on avait l'air assez volontaires pour continuer dans ce projet si l'opportunité se présentait. Après, pour l'argent, le business plan, il n'y a pas encore trop pensé. On y a surtout pensé pendant les 3 jours. C'est assez difficile de faire un business plan en 3 jours. Voilà. Et vous, est-ce que vous vous voyez dans la peau d'un patron un jour? Est-ce que ça fait partie de vos ambitions ou pas du tout? Éventuellement, si l'occasion se présente, pourquoi pas. Oui, ça fait germer un peu des idées nouvelles, en tout cas d'autres perspectives, que d'être par exemple ingénieur pour une collectivité ou pour un organisme, ce qui est peut-être la vocation habituelle de ce métier. Oui, tout à fait. Et puis je crois même que la notion de patron, je ne serais pas étonné. Enfin, il faudrait faire une étude là, un peu sérieuse. Un sondage. Pour savoir comment ils le conçoivent. Mais je pense qu'ils en ont, à mon avis, une idée tout à fait nouvelle et renouvelée par rapport à l'image traditionnelle qu'on peut en avoir, notamment dans le milieu des start-up. On est beaucoup en équipe, on est beaucoup dans la spontanéité et puis aussi dans la fougue et l'énergie de la jeunesse, bien sûr. Et merci beaucoup, merci à tous à les trois. Merci beaucoup. Vous allez maintenant céder vos places à 3 autres personnes. Bienvenue à Michel Fiocchi, délégué entrepreneuriat au sein des Mines Saint-Étienne. Bienvenue aussi à Antoine Perroda et Raphaël Taupin, tous les deux également étudiants en 3e année, dont le projet a été sélectionné et a reçu le prix coup de cœur. Alors, pour vous laisser le temps de vous installer, je vous invite à écouter cet étudiant. Il s'appelle Alexandre Menu et son projet n'a malheureusement pas été retenu. Nous étions sur un projet en fait de gestion centralisée des abonnements de bus. On pourra regrouper un petit peu tous les abonnements qui se situent sur la métropole Aix-Marseille, avoir quelque chose de plus pratique pour les utilisateurs de transport en commun et aussi pour les sociétés de transport, pouvoir optimiser leur déplacement. Et c'était un projet qui était particulièrement intéressant. Enfin, on a pris beaucoup de plaisir à le faire, on s'est beaucoup pris au jeu. Et le fait de lancer des idées, c'est vrai qu'on est beaucoup dans la technique ici, et d'avoir quelque chose, de réussir à monter un projet avec une vocation sociale derrière, c'est juste impressionnant. Ça fait du bien de voir ça justement en 3e année avant de sortir d'école, voir qu'on est capable de pousser des projets qui peuvent être socialement utiles et importants. Voilà, Alexandre déçu, mais qui a retiré donc du bon de cette expérience. Michel Fiocchi, c'était bien l'objectif, pousser des projets, comme a dit Alexandre? Voilà, tout à fait. Bon, à côté de leur formation technique, on essaie de les inciter à avoir des idées, à pousser des projets, à aller vers donc, de l'entrepreneuriat étudiant, mais surtout de l'innovation, c'est-à-dire apporter du sens à ce qu'ils vont faire et pouvoir proposer des solutions. Pour s'investir finalement? Pour s'investir, alors ils ne vont pas tous s'investir, sur tous nos élèves. Bon, depuis quelques années, on en a un ou deux qui créent par an, qui créent leur entreprise en sortant de l'école ou pendant leur dernière année. Donc l'objectif, ce n'est pas de faire des entrepreneurs de tous nos élèves, mais qu'ils sachent ce que c'est et qu'ils puissent y aller effectivement s'ils ont envie, s'il y a une occasion qui se présente, ou qu'ils peuvent simplement envisager d'aller travailler dans une start-up, pas simplement dans un grand groupe. Antoine et Raphaël, alors parlez-nous de votre projet donc, qui a reçu le prix coup de cœur. Son nom, c'est la table éducative. Ça consiste en quoi? Alors oui, donc du coup, nous, on a essayé de trouver un sujet en rapport avec l'éducation. On a réfléchi à quels sont les
premières problématiques qu'on a pu retrouver lorsqu'on était jeunes et nos parents. Donc c'était surtout sur l'aspect du poids des sacs, sur l'oubli des affaires, sur ces choses-là. Et du coup, on a cherché une idée qui pourrait permettre de résoudre tous ces problèmes. Et on s'est dit, on va essayer de trouver quelque chose qui peut centraliser tout ça. Donc on a pensé à une table sur laquelle toutes les fournitures que l'élève a besoin pour faire son travail sont directement incluses dedans. C'est une table, c'est une énorme tablette. Comment est-ce que vous l'avez imaginée? C'est-à-dire que je vais avoir accès à tous mes livres scolaires, je ne vais pas avoir besoin du coup de les apporter à l'école? Exactement, voilà, c'est ça. C'est une table donc, qui n'est pas personnalisée pour chaque élève, c'est-à-dire qu'on va s'identifier. On a pensé à une empreinte digitale, donc l'élève au début d'année s'enregistre et à chaque fois, donc la table n'est pas, elle s'identifie avec l'élève, donc il n'y a pas besoin d'avoir une table personnalisée pour chaque élève. Et finalement, après qu'il se soit identifié, il a accès donc à tout son travail, des feuilles pour écrire, donc en écrivant avec un stylo spécialisé, il pourrait écrire sur sa table. On garde cet aspect calligraphie qui est vraiment important pour l'élève. D'autre part, il y aurait la possibilité donc d'avoir tous les manuels pour chaque matière. Donc même imaginer un partenariat avec plusieurs manuels de plusieurs éditeurs, donc pouvoir personnaliser cette fois-ci l'apprentissage de l'élève pour qu'il puisse choisir au mieux ses exercices et que ce soit ciblé vraiment, également ciblé pour pouvoir lui. Aussi peut-être les retrouver une fois à la maison et continuer à faire ses devoirs. Alors qui a eu l'idée entre vous deux? Est-ce que c'est Antoine? Est-ce que c'est Raphaël? C'est plutôt Raphaël, on ne va pas se mentir. Après, j'ai bien aimé son projet et je l'ai suivi. D'accord. Et du coup, un projet suivi, mais un projet aussi convaincu quand même par cette idée-là? Bien sûr, j'ai été convaincu. C'est pratique. J'ai surtout aimé le côté où on n'avait plus besoin d'emporter ses livres puisqu'on a tous eu des cartables trop lourds à l'école. Et le fait de conserver la partie manuscrite sur la table, c'est ça qui m'a plu et c'est pour ça que j'ai choisi ce projet. Et est-ce que vous imaginez, vous aussi, continuer à faire vivre ce projet? Je sais que vous allez partir en stage très bientôt. Qu'est-ce qui va se passer après? Alors, c'est pareil. Au début, on s'était dit, c'est une idée. C'est arrivé comme ça, pourquoi pas? Mais avec le retour des experts et de toutes ces personnes-là qui nous ont soutenus, qui nous ont dit qu'ils avaient eu cette idée, qu'à leur époque, c'était pas encore la technologie n'était pas assez avancée, que maintenant, ça peut se faire. Donc c'est vrai qu'avec tous ces retours-là, on s'est dit, pourquoi pas? L'idée est qu'on a notre stage dans 6 mois, donc que pendant ces 6 mois-là, on ne va pas vraiment pouvoir avancer. Mais ça reste dans un coin de notre tête et on se dit oui, ça peut être vraiment intéressant. Antoine, ça a une résonance aussi pour vous? On a parlé tout à l'heure peut-être que certains anciens étudiants ont créé leur start-up, sont devenus leur propre patron, ont poursuivi leur aventure personnelle. Oui, c'est une option, mais bon, après le stage en tout cas. Oui. Parce que ça fait peur aussi, peut-être aussi, de devenir son propre patron. C'est quand même beaucoup de responsabilités et pas beaucoup de sécurité, d'un certain côté. Raphaël. C'est vrai. D'autant plus que moi, mon frère a créé sa propre start-up. Donc, il a des retours très personnels sur ce genre de travail, avec une certaine pression, etc. Mais d'un autre côté, c'est vrai que ça fait quand même rêver que... C'est sûr qu'être à notre compte, surtout, je pense, avec notre éducation, c'est peut-être ce que nous, on voudrait rechercher dans un monde un peu digital comme ça. Donc c'est vrai que pouvoir avoir vraiment notre décision à donner, en tout cas pour moi, c'est quelque chose d'important. Et toucher du doigt l'innovation. Michel Fiocchi, dans cette aventure, vous étiez organisateur. Est-ce que, selon vous, selon votre expérience, leur projet aurait des chances d'aboutir? Pourquoi pas? C'est un projet qui a les dimensions pour aboutir. Aujourd'hui, on va dire que l'outil table existe. Par contre, l'idée de contenu est assez novatrice, la fonction. Donc, il faut mélanger à la fois le support technique, qui est bon, ils savent le faire, ça existe. D'ailleurs, l'année dernière, certains ont travaillé sur un projet industriel où il y avait une table comme ça à construire. Par contre, le contenu est assez novateur, donc il va falloir aller voir les pédagogues, suivant l'âge auquel ça s'adresse, les contenus ne vont pas être les mêmes, les outils dessus ne vont pas être les mêmes, mais c'est un projet qui a des chances de pouvoir aboutir. Adapter et Allez. Convaincre. Ouais. Et c'est tombé justement dans l'oreille d'Elisabeth Mott, présidente du jury 2017. Eh bien, elle est directrice des interventions économiques au sein du territoire du Pays d'Aix de la métropole Aix-Marseille-Provence.
Avoir de temps en temps cette petite bouffée d'oxygène avec des jeunes qui sont épatants parce qu'ils présentent des projets qui sont hyper intéressants. Ils ont très peu de temps, ils arrivent à sortir des projets cohérents, très bien structurés. Donc je trouve ça, ça donne effectivement, on en devient un peu plus punchy et c'est vrai que c'est un petit rayon de soleil dans la journée. C'est comme quand on rencontre des chefs d'entreprise. On a cette impulsion, ce dynamisme, et c'est vrai que le côté administratif étant un peu plus lourd, avec des circuits, des process et tout, c'est vrai qu'on a besoin d'être en contact avec ces gens. Ce dynamisme, ça se transmet, et puis au moins on est en contact avec les réalités, on peut faire remonter aux élus les problématiques ou éventuellement des projets, des propositions qui viennent du terrain. Ça, c'est indispensable. Michel Fiocchi, connecter les étudiants au monde de l'entreprise et à la métropole dans laquelle ils vivent, c'est primordial aujourd'hui ? C'est aujourd'hui primordial. Donc, nos élèves sur le campus ont la chance de côtoyer tous les jours des industriels qui sont en place sur la plateforme, des start-up qui sont accompagnés dans notre école, des chercheurs. Donc ils ont la chance de faire ça. Et il faut qu'ils en tirent un maximum d'opportunités. Et bon, innovation, c'est l'un des moyens de les faire entrer en contact avec ces gens-là. Mais il y en a d'autres. Hein. Ils ont des projets avec des industriels, les start-up sont là tous les jours, ils peuvent travailler avec, ils les voient, et ça leur permet de bien s'intégrer dans cette société, dans cette économie qui bouge beaucoup en ce moment-là. On va passer, c'est vrai, François le disait tout à l'heure, le mot start-up, où ils vont avoir envie de créer leur emploi ou créer leur travail, de travailler à leur façon, c'est quelque chose d'important, et ça fait partie des approches qui leur permettent de sentir un peu les choses. Après, il va falloir qu'ils choisissent, hein, parce que ça, c'est eux, c'est pas nous. Et c'est une vocation peut-être aussi de vous en tant qu'enseignant, en tant que délégué entrepreneuriat, eh bien de connecter ce monde de l'entreprise au monde, à la vie étudiante. Aujourd'hui, il faut que les deux fonctionnent en parallèle, en même temps, et évoluent dans la même direction. Voilà, il faut que les deux fonctionnent actuellement. Le campus Georges Charpak a été pensé pour ça. C'est-à-dire que dans les années 2000, quand il a été pensé pour mettre... aussi bien les industriels que les enseignants, chercheurs, que les étudiants en contact journalier, c'est-à-dire pas de temps à autre, hein, dans le bâtiment, travaillent tous les jours des industriels, des start-upers, des élèves, des enseignants chercheurs, se rencontrent, ils vont au café ensemble, ils déjeunent ensemble, donc ça a été fait pour ça. Et rêver, innover, qu'est-ce que vous retenez de cette aventure, Antoine peut-être d'abord ? Un moment agréable et assez drôle, et moi c'était une bonne expérience. Raphaël, de votre côté, qu'est-ce que vous retenez ? On a vu un peu une bulle d'autonomie qui vous a été ouverte. C'est ça, oui. Bah, donc, comme l'a dit Antoine, hein, c'est très intéressant. Ça ouvre vraiment sur quelque chose qu'on n'a pas l'habitude. On est plus orienté sur des cours théoriques. Et là, pouvoir vraiment une vision sur le futur, c'est quand même très intéressant. Puis oui, ça nous apprend beaucoup de choses. Ça nous apprend beaucoup d'autonomie, comme vous l'aviez dit. Et du coup, c'est très, très intéressant. Et Antoine, est-ce que c'est facile finalement ? Parce qu'on pourrait dire que ce n'est pas évident. À un moment donné, on a l'habitude d'avoir des cours très théoriques. On est plutôt passif face à ses professeurs. Et puis là, ben, on doit s'investir. On doit proposer quelque chose. Non, mais de toute façon, je suis toujours investi. Et je n'ai pas eu spécialement de difficultés pour cet événement. Donc ça a été pour moi. Et Raphaël, je pense aussi, c'est pareil. Tous les deux, comment est-ce que vous envisagez l'avenir, Raphaël ? Vous voyez faire quoi dans votre vie professionnelle ? Eh bien, c'est assez vague. Hein. Je vois pas aussi loin. Non, c'est vrai que bah, pour le moment, réussir mon stage déjà, c'est un premier objectif. Et après, bah, y a plusieurs possibilités. Soit viser en continuant sur ce projet, essayer de monter une start-up, une boîte, ça peut être vraiment intéressant. Ou ailleurs, au moins, devenir un peu chef d'un service. Enfin, comment on dit ça ? Voilà, chef de projet, merci. Voilà, avec une gestion d'une équipe, parce que je pense personnellement que le social, c'est aussi important pour l'ingénieur. Du coup, j'ai cette vocation-là. Antoine, vous, est-ce que vous imaginez être un jour que chef d'entreprise, ou bien est-ce que vous voulez peut-être, au début, pas vous lâcher des deux mains, comme on dit souvent ? Non, chef de projet, ça me plairait bien aussi. Chef d'entreprise, ouais, moi, je trouve ça assez excitant et avec du challenge. J'aimerais bien le faire. Michel Fiocchi, le défi Innovation, est-ce qu'il aura d'autres éditions ? C'était la deuxième cette année ? C'était la deuxième, effectivement. Je pense que ça a vocation à continuer. Nous sommes en pleine réflexion sur les modifications des méthodes pédagogiques
pour Izmin, hein, donc la formation qu'ils ont suivie. Et dans le nouveau statut ou la nouvelle structure de la formation, la place des projets et ce genre d'événements va prendre une place de plus en plus importante. Donc, on est en train d'équiper un espace qui va s'appeler IDFAB, où justement il y aura la possibilité d'aller faire de l'innovation collaborative. En fait, c'est un exercice d'innovation collaborative, donc, où ils pourront y accéder librement, c'est-à-dire même pendant tout leur cursus et même en dehors du temps de formation. C'est-à-dire pour leur projet perso, ils pourront venir là, prototyper. Faire des maquettes, aller faire du test d'usage, parce que c'est l'une des choses les plus importantes quand on a une idée, c'est d'aller la confronter à l'usager que l'on vise ou que l'on va découvrir pendant le test d'usage, parce que des fois on crée des choses et ce n'est pas utilisé par ceux à qui on pensait au départ. Donc on va développer. Confronter ces idées, voilà, confronter les raconter déjà. Les raconter, les confronter, voir comment le public les prend, les adopte ou pas. Ou comment ils demandent à les modifier. Donc on va essayer de les mettre face à ce genre de défi. Donc et je pense qu'Innovaction, il y aura une édition numéro 3. On est en train d'en parler déjà, donc c'est parti. Et justement, il y a des évolutions peut-être qui sont annoncées pour ce défi-là. C'est un défi qui fonctionne bien, en tout cas on voit des étudiants qui sont investis. Alors bien sûr, hein, comme disait François tout à l'heure, c'est une expérience, on a vu un certain nombre de choses. On a des retours, ils nous ont fait des retours, on va leur en faire un là bientôt. On va essayer de discuter de façon à améliorer, aller dans, à la fois sur un support qui va leur apporter plus, mais sur un support qu'ils acceptent et qu'ils ont envie de suivre. Et merci à tous d'avoir participé. Merci à Guillaume Baudouin pour les images et interviews que vous avez vues. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau Aime les défis.